Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo, alors un peu sujet un petit peu grave, mais en même temps, c'est un peu dans l'air du temps. On a tous vécu des périodes plus ou moins complexes durant ces dernières semaines, et puis on est tous plus ou moins témoins, même si on n'est pas surinformés, parce que tout le monde n'a pas des réseaux sociaux, tout le monde n'a pas la télévision, tout le monde n'écoute pas les informations. Toujours est-il que on n'est pas non plus complètement coupé du monde, hein. Et de ce fait, il peut y avoir aussi des personnes qui nous donnent des informations. Et du coup, j'avais envie de parler de tout ce qui se passe au niveau aussi planétaire, avec tous ces dysfonctionnements, on va dire climatiques, naturels, et tous ces avalanches d'eau, tous ces feux, etc. Donc j'avais envie de proposer des fleurs de Bac par rapport à ça, parce que je me suis posé la question de savoir comment on peut gérer par moments ces situations qui nous semblent insurmontables, parce que on se sent aussi des fois hyper impuissant, et puis on se dit que ça part un petit peu en cacahuète, on va dire. Alors je pense qu'il y a une part aussi de relativisation sur beaucoup de choses que nous devons aussi quelquefois. Auquel nous devons, je dis nous devons, c'est pas une injonction, hein, mais nous pourrions en tout cas faire attention, parce que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des moments dans la vie où la planète, où la nature se rebellait, où c'était compliqué, et il y a peut-être des micro-moments aussi comme ça dans l'espace-temps où il s'est passé des choses. Et encore une fois, vous savez qu'avec les fleurs de Bac, on va pas refaire les événements. Ce qui est intéressant, et c'est une lapalissade, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, il se passe ça. Moi, ma promesse, évidemment, avec l'accompagnement des fleurs, c'est pas de se dire, j'en ai rien à ficher, de toute façon, je continue à vivre ma vie et faire comme si tout allait bien, parce que ça, c'est une fleur, et du coup, je l'ai pas sortie, mais c'est Agrimony. Bon, vous commencez peut-être un peu à la connaître, mais parce que c'est pas non plus le sujet, être dans le déni, c'est pas forcément la réalité non plus de ce qui nous est forcément proposé de vivre. Super la vidéo, je suis carrément à quatre pattes. Bon, c'est pas grave, je suis en train de la chercher pour le coup, parce que je pensais pas à la citer, mais je trouve que c'est quand même aussi intéressant, parce que mon sujet, c'est évidemment pas de faire comme si tout allait bien, puisque tout ne va pas bien, évidemment, et on va pas nier les faits, en fait, avec les fleurs de Bac. Vous savez qu'on peut toujours penser que c'était la poudre de perlimpinpin ou un effet placebo. Bon, je la trouve pas, évidemment. En attendant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas en se fermant les yeux, en fermant les oreilles et en disant je me coupe des réseaux que de toute façon j'aurai la paix de l'âme, parce qu'à un moment donné je vais être forcément confrontée à des gens qui vont nous raconter des choses et qui peuvent aussi altérer notre petite tranquillité intérieure. Donc voilà, je parle d'agrimony. Je parlais tout à l'heure. Et donc du coup, j'avais envie de vous proposer plusieurs fleurs. Donc la première chose auquel je songe, mais pas forcément, il n'y a pas d'ordre, encore une fois, dans les fleurs de Bac, il n'y a pas d'ordre dans les émotions, et chacun prendra ce qu'il a envie d'y prendre par rapport à ce que vous ressentez sur le plan climatique, et tout ce que ça aussi peut engendrer chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des personnes qui vivent actuellement en Grèce ou en Espagne ou ceci ou cela, ou en Turquie ou je ne sais quoi, partout dans le monde, puisqu'il y en a eu un petit peu partout, ou en France aussi, parce qu'il s'est passé aussi des choses impactantes en France, mais il s'en passe tout le temps. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo en plein hiver, ça arrive tout le temps, des intempéries, des inondations. Voilà, j'ai moi-même aussi été en contact avec une personne de mon entourage très proche qui a aussi tout perdu. C'est-à-dire que sa maison est partie, donc elle était dans la vallée de la Roya. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé ou pas, en tout cas, renseignez-vous. Voilà, ça existe, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, et si ça n'arrive pas qu'aux autres de loin, parce qu'on s'en fiche, on n'est pas ni à Mayotte, ni à ceci, ni à cela, on peut quand même voilà, s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Voilà. Et puis si on ne s'intéresse pas, émotionnellement, on peut peut-être de toute façon être impacté. Donc pour le coup, je propose des fleurs. Et je pensais à la première qui me vient à l'esprit, mais qui n'était pas la première dans mon choix. Mais ça peut être l'état justement de choc émotionnel, hein, parce que quand on voit toutes ces images qui assaillent nos j'allais dire nos cerveaux, mais voilà, nos visions et nos pensées. Évidemment, on est souvent sous le joug
la sidération de ce que nous sommes en train de voir, parce que les images sont suffisamment impactantes pour pouvoir aussi se projeter par moment et se dire waouh. Et du coup, le waouh, ça peut être aussi walnut, qui est cette fleur qui va justement nous impacter et va influer sur notre état interne émotionnel. Alors, encore une fois, je répète, les fleurs de Bac, c'est pas se dire ok, je prends du walnut et j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe en Argentine, au Chili ou en Chine. Vous voyez, c'est pas le sujet des fleurs de Bac. Le sujet, c'est jamais d'être d'un état à un autre dans une forme d'excès. Il n'y a pas de binarité, je ne sais pas comment ça se dit, mais il n'y a pas ce côté blanc-noir. Oui, non, non, la vie, elle n'est pas faite comme ça. Je veux dire, on est forcément, on a encore une fois des degrés émotionnels. Et si on est impacté au point d'être chamboulé, au point de ne plus être en capacité, en maîtrise de vivre correctement cet instant de la vie, parce que nous avons aussi notre vie est impactée par tout l'environnement du monde. Et donc, ce monde-là, on doit l'exercer puisqu'on est dans le monde. Donc, on va y faire face. Mais si on ne peut plus y faire face, pour le coup, cette fleur peut nous accompagner. Mais ça ne va pas nous mettre dans une espèce de posture de protection du « j'en ai plus rien à foutre, je me laisse plus du tout imprégner ». Évidemment qu'on a de l'information avec Walnut, ça ne va pas nous empêcher d'avoir de l'info. Mais par contre, cette information-là, on sera peut-être, je dis peut-être, encore une fois, je n'ai jamais de résultat certain sur le résultat émotionnel de chacun, puisque je n'en sais rien, je ne peux parler que de mon exemple personnel. Eh bien, ça peut être aussi, par exemple, cette version de moi lorsque je reçois cette information, de se dire « ok, j'ai entendu, mais je ne suis pas complètement bouleversée au point que ça m'imprègne et que je ne suis plus en mesure de faire face à soit mes relations aux autres, mes activités professionnelles, sociales ou autres, et d'être tellement dans cette vulnérabilité que chaque information me déstabilise au point de ne plus être tout à fait moi-même. » Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors évidemment, il peut y avoir cette certaines formes de peur, hein, parce que évidemment on pourrait avoir ce sentiment d'inquiétude et nous si ça nous arrivait, etc. Et donc d'être inquiété sur sa perception aussi de son avenir, de son futur, de sa maison, etc. Et pour le coup, par extension, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais si on a des amis ou des proches, ou sans avoir d'amis ou de proches, on peut tout simplement s'inquiéter pour les peuples qui vivent telle et telle chose. Alors j'ai parlé d'intempéries, mais vous voyez, par extension, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, hein, vous voyez, donc vous ferez l'ellipse vous-même. Red Chestnut nous parle de cette notion d'être inquiet pour les autres. Donc évidemment, quand on voit des événements climatiques aussi perturbants, aussi effrayants, choquants, perturbants et qui génèrent tout un lot émotionnel, l'inquiétude pour les autres, évidemment. Et puis évidemment, si nous avons des amis dans ces endroits du monde ou ces endroits de France, puisque je m'adresse aux francophones, eh bien, évidemment, ça a évidemment un impact aussi sur la relation qu'on peut avoir avec eux en se disant, mais comment font-ils? Comment vont-ils faire? Comment vont-ils s'en sortir? Etc., etc. Trouver des solutions et tout. White Chestnut. Je fais ça, cette tête, parce que je me dis qu'évidemment, souvent, ça peut aussi arriver. Bon, évidemment, c'est un mot que je redis beaucoup. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas m'en vouloir. Cette fleur, c'est de la rumination mentale. Donc, comment, pour certaines personnes, ne pas être impactées lorsqu'il y a justement tout ce qui a été perçu ou tout ce qui est inquiétude pour les autres qui va être relayé par notre cerveau avec cette notion de récurrence, de « waouh, mais ça revient en boucle et je n'arrive pas à me débarrasser » de ses pensées ou de ses images aussi, hein, qui peuvent aussi assaillir voilà, mon cerveau, ma tête, et préoccuper tout l'espace en fait. Hein. On peut se sentir aussi, je l'ai dit en début de vidéo, un peu surmené et malmené dans le sens où on a le sentiment que là, ça fait trop d'informations, ça fait trop de choses à gérer en même temps, et comment je vais faire face à cette confiance que j'ai d'habitude en vivre des événements qui peuvent m'impacter, me tirailler, m'inquiéter, me solliciter, parce que bah, ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup de responsabilités aussi, et de se dire, mais est-ce que je suis capable de gérer tout ça finalement? Et dans le gérer tout ça, c'est aussi tout ce que je vais voir et tout ce que je vais ingurgiter comme information. Et dans tout ça, voilà, il suffit d'ouvrir des fois des informations pour avoir un flot aussi qui va nous mettre dans une posture de surmenage parce que c'est trop en fait. Hein. Donc voilà, une proposition. Hein.
Je l'ai évoqué aussi tout à l'heure dans ma façon de parler, quand j'ai parlé de quelque chose qui peut s'y terrifier. Alors, il y a des gens qui vont être plus dans cette notion d'inquiétude, voilà, assez, comment dire, assez... comment je pourrais dire ça? Assez vivable, si tant est que quand on est peur, on se soit tout à fait vivable, j'en sais rien. En tout cas, on a cette capacité de pouvoir quand même avoir une forme de maîtrise aussi de cette peur-là, qui peut devenir quelque chose qui peut être pas forcément ni une amie ni un allié, mais dont on connaît quand même la provenance et dont on peut quand même mesurer la cadence sur nous, la fréquence. Tandis qu'ici, on est vraiment sur cette peur qui va nous terrasser. Hein. Et donc ça, on parle surtout de terreur, de peur panique, voilà, d'être vraiment effrayé par ce qu'il se passe. Hein. Et puis, alors je vais terminer par celle-là, qui est Sweet Chestnut, où on a vraiment le sentiment par moment d'être au bout de ce que l'on peut vivre. Et alors, je m'adresse peut-être à ceux qui vivent et qui sont vraiment impliqués dans ces situations-là. Vous allez me dire, bon, bah, quand on a tout perdu, on n'a plus rien. Oui, bah, justement, il y a des moments où on peut se sentir dans cette forme de tourment, de désespérance émotionnelle qui fait qu'on a vraiment, on voit pas le bout de ce que l'on peut vivre. Et Bach dit dans ses citations, il dit quand on est arrivé à l'extrême limite de l'endurance en fait, hein, de ce que l'on peut supporter finalement. Donc voilà, ce sont des propositions de fleurs. Vous avez bien vu qu'à chaque fois que je fais des vidéos, vous pourrez capter quelques mots si vous prenez des notes en même temps et te dire ah tiens, elle a parlé de ça, Sweet Chestnut, maintenant elle a parlé dans une autre vidéo, elle a dit autre chose. Faites des recoupements sur vos propres thématiques émotionnelles, parce que tout le monde, encore une fois, ne sera pas impliqué par ce sujet-là. Mais c'est une façon pour vous aussi de découvrir les fleurs, vos émotions, et comment, sur des choses a priori quotidiennes, j'allais dire banales du quotidien, parce que banal, la banalité, on entend des horreurs toute la journée, parce que dans le monde, il se passe des choses absolument horribles et effrayantes tout le temps, finalement. C'est presque notre chemin de vie aussi, d'apprendre à vivre avec ces expériences de vie qui sont complexes aussi à vivre, parce que des fois notre cœur, notre tête n'est pas, et notre corps évidemment, n'est pas, on a le sentiment qu'on n'est pas armé pour vivre tout ça. Sachez que quand même, je ne vais pas vous faire de leçons, et vous le savez tout autant que moi, qu'on a tous traversé des périodes de vie auxquelles on ne pensait pas avoir les ressources nécessaires pour faire face. Et que, alors malheureusement ou fort heureusement, vraiment je ne conclurai pas, parce que c'est à vous de faire votre propre bilan émotionnel. En ce qui me concerne, je pense que ce que j'ai vécu, de ce qui a pu être choquant, traumatisant, impactant dans ma vie, c'est aussi sur quoi je peux me baser maintenant pour être ce que je suis. Et donc ça a été aussi pour moi un grand secours de vivre tout ça, parce que je suis probablement aussi une personne sur laquelle on peut aussi se baser en cas de nécessité, en cas de besoin, parce que je pense être tout à fait armée pour vivre certaines choses. Et donc la vie des fois nous fait passer par cette expérimentation de la douleur, de la souffrance émotionnelle, et encore une fois psychique et autres, et du coup je réinsiste, mais professionnel de santé, hein, parce que des fois les fleurs de Bach ne suffiront pas, et ne vous jetez pas non plus à corps perdu sur les fleurs de Bach. Si vous sentez que vous avez vraiment un vrai besoin psychologique, psychiatrique, consultez votre médecin, allez voir des gens, des spécialistes, des psychologues, des psychanalystes, des gens dont c'est vraiment la propriété, la qualité, la profession, parce que depuis ces dernières années, c'est des fois de plus en plus compliqué, complexe, etc. Et pareil pour les enfants et les ados, pédiatres, pédopsychiatres et compagnie, vous savez à quel point je dis, je le répète et je le remartèlerai, que ces enfants et ces adolescents en nous sont toujours vivants et toujours aux commandes, et que quand on n'est pas bien, et bien souvent, ou quand on accompagne nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, etc., des fois ça fait rappel à nos propres traumas sur lesquels on n'a pas forcément pris le temps de choyer toutes ces émotions-là. Et donc l'adulte que nous sommes, des fois aussi, doit avoir le raisonnement factuel de dire « Ok, maintenant ça suffit, basta, je prends rendez-vous et je vais voir un professionnel de santé, etc. » Et encore une fois, dites à votre professionnel de santé que vous avez envie de prendre des fleurs de Bach, parce que c'est tout à votre liberté aussi d'avoir cette envie de choix. Et il vous conseillera sur ce qui est possible ou pas de faire en fonction de ce que vous prenez. Vous savez qu'il n'y a pas d'interaction moléculaire avec les médicaments. Donc si toutefois vous prenez des médicaments parce que vous êtes sous traitement, eh bien vous savez que les fleurs de Bach
comme il n'y a pas de principe actif, et je vous réfère à la vidéo, je ne sais plus quand que j'en parlais, il n'y a pas de souci en fait. Donc vous pouvez parfaitement être suivi sur un plan médical avec quelqu'un professionnalisant, j'allais dire, et professionnalisé du monde médical. Et puis à côté de ça, vous soutenir aussi émotionnellement si vous en avez envie. Mais tout comme vous irez voir votre ostéo, vous irez aussi marcher, respirer, bouger, vous alimenter de façon adéquate pour justement oxygéner bien le cerveau avec tous les nutriments, et non seulement oxygéner par la respiration, mais aussi par la respiration aussi moléculaire de l'aliment, parce que les aliments ont des nutriments qui nous aident aussi à aller mieux. Donc voilà, c'est la réalité des plantes qui nous sont offertes sur Terre pour pouvoir aussi voilà, faire vivre cette machine. Donc les aliments, oui, les plantes évidemment, et tout le reste évidemment. Et donc être avec les potes, se protéger en étant groupir avec la famille, se dire qu'on s'aime, être présent aussi à soi évidemment, et se donner du temps pour aller comprendre comment on fonctionne. Voilà, je voulais vous remercier encore une fois. Vous avez vu, j'ai fait la petite vidéo pour dire merci, mais je le redis parce que c'est vrai que c'est pas un réflexe que j'ai chez moi, donc il serait peut-être temps au bout de 3 ans de commencer à dire merci régulièrement, mais bon, c'est pas grave, il est toujours temps. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'être là, ça me procure beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme aussi de partager. Je suis toujours surprise de ne pas me lasser, mais de ne pas me lasser aussi des sujets que je pourrais trouver. Mais vous savez, voilà, j'aime bien me servir de la vie du quotidien aussi. C'est pour ça que je fais ces lives aussi avec ces personnes qui viennent expliquer leur art, leur talent, leur façon de voir les choses, parce que je trouve que les émotions, elles sont évidemment pas exclusivement dans les fleurs, elles sont partout, à chaque instant de nos vies. Donc voilà, je suis contente de partager tout ça avec vous. Et si vous avez des sujets, bah surtout n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire. Je serais ravie aussi de pouvoir vous donner des tips et des conseils sur des sujets très spécifiques que j'ai pas abordé. Alors vous allez me dire, il y a des sujets auxquels je serais vraiment pas à l'aise parce que c'est pas mon kiff de parler de ça. Ça veut pas dire que je le fais pas, mais voilà, peut-être que je serais et je vous le dirai très sincèrement. Encore une fois, je vous ferai une vidéo dessus, et puis voilà, bah écoutez, lâchez-vous tous à vos doigts et à vos claviers, et à la semaine prochaine. Bon dimanche.